Il me suffit de te revoir pour sentir combien j'ai été volé. Tout cet au-delà que tu portais dans ta tête et à la porte duquel j'ai si désespérément frappé, je t'aimais, maintenant je regarde comme une mouche derrière la vitre qui cesse de s'y cogner, qui hélas, qui a renoncé à passer de l'autre côté, qui n'en est même plus capable, tant sa force lui est restée dans les pattes, qui par moments plie sous elle et qui sent le poids de la mort la paralyser. Mais tu es là, c'est toi, et tout est une forêt de sentiments. Impalpable se lève dans ma tête et bruit légèrement pour te saluer. À la lecture de ces pages de poésie en prose, j'ai senti mon cœur se serrer. Il est devenu léger, fragile comme l'amour. Dans l'intouchable, l'écrivain a dépeint une histoire d'amour qui me semble être la mienne. J'ai voulu rencontrer cet homme qui a su écrire un bout de ma vie en racontant un bout de sa vie. J'essaie de l'imaginer. Toutes les images qui me viennent en tête se rapportent à l'écriture de l'intouchable. La personne transparaît à travers chacun des mots de l'écrivain. Grâce à Michel Camus, j'ai pu rencontrer M. Pierre Bettencourt. Il avait répondu à ma lettre. Chère mademoiselle, j'ai lu votre lettre avec le plus grand plaisir. Me rencontrer, je sors peu de Stigny, petit village de Bourgogne, niché dans ses vallons au pied de ses forêts, où l'on chasse le chevreuil et le sanglier. J'habite une maison, ici, achetée peu après mon mariage en 1962. Nous avons eu 3 filles et 1 fils, et par eux 7 petits-enfants, dans 2 petites filles qui arrivent dans la vie comme dans une fête. Ma femme nous a quittés avant de les connaître. Mais elle reste parmi nous comme une présence bienfaisante. Parmi eux, entre mes livres et mes tableaux, après une vie bien remplie, je me prépare sans une hâte excessive au repos éternel. Venez me voir quand vous voulez. Vive la vie. À bientôt, Pierre Bettencourt. Autour d'un thé, il me raconte « Il était une fois l'intouchable ». Quand on comprend que cet amour ne sera jamais consommé et encore moins oublié, afin d'oublier la douleur, on n'a plus qu'une envie, celle de relire à nouveau ce livre et d'attendre. D'attendre quoi ? Que la vie passe, soulage et apaise notre cœur.